Bonjour les enfants, c'est papa. Je suis triste les enfants. À la base, on ne fait pas ça, mais on a une famille congolaise en pleurs au couloir de la clinique. Il y a une famille congolaise qui demande à tout prix l'aide de la clinique pour qu'on puisse l'aider à retrouver sa famille. C'est vrai qu'à la base, on ne fait pas ça, mais parfois, les larmes d'une maman peuvent vous faire fondre le process le plus compliqué. Les larmes d'un papa peuvent vous faire fondre le process le plus compliqué. Surtout quand votre frère est impliqué, parce qu'un frère à nous est impliqué dans cette histoire. C'est-à-dire que le frère Bandefeu camerounais, il a une nana en Belgique. La jeune fille que vous voyez là, Pamela, magnifique congolaise, bien, avec le cœur sur la main. Avec le cœur sur la main. Elle croise notre frère camerounais, Bandefeu. Elle tombe amoureuse de lui. Elle lui donne un enfant. Elle lui donne un enfant. La femme ne peut donner que ce qu'elle a de plus important, de plus beau. Elle lui donne un enfant. Tant ils vivent ensemble et tout, qu'est-ce qui se passe? Il lui recharge un autre enfant. Apparemment, il ne voulait même pas le deuxième enfant, d'après ce que la maman dit. Elle lui met un deuxième enfant dans le ventre. Et il part au Cameroun. Et il part au Cameroun. Le Bandefeu part au Cameroun. Après avoir mis le deuxième enfant, et l'autre fille est déjà née. Avec la Pamela, la Congolaise, dont on salue encore la maman et dont on essuie les larmes autant qu'on peut. Parce que moi, personnellement, moi, je ne peux rien faire d'autre. J'ai toujours fait seulement la politique ici à la clinique. Du coup, moi, je suis un peu perturbé face à ce genre de situation. Moi, je ne sais pas quoi dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas un raisonnement psychologique et mental que je peux utiliser pour faire un décryptage et tout. Je ne peux pas. À part juste vous demander de partager pour que son cri aille un peu plus haut. Parce que c'est un frère qui nous implique dans une histoire un peu compliquée. C'est un Camerounais. Donc, le gouvernement camerounais est tout aussi impliqué. Nous-mêmes, on est tout aussi impliqués. Nous-mêmes, nous sommes tout aussi impliqués. Il part au Cameroun là-bas. Il part, il se pose là-bas. Il fait venir la petite. Il fait venir sa femme, la fille avec qui il a les enfants, la mère de ses enfants, la Pamela. Il a fait venir au Cameroun les enfants. Oh là là, cette histoire me dérange, je ne comprends pas. Les hommes, soyez des hommes. Les hommes protègent les femmes. C'est notre rôle, les femmes et les enfants. C'est quoi? Tu as tes enfants? Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe avec vous là-bas au Cameroun. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes frères camerounais. J'ai aucune idée. Je ne sais pas quoi dire. Il fait venir la fille de Truy à là-bas au Cameroun, à l'ouest et tout. La fille arrive, on entend plus. Depuis qu'elle est arrivée au Cameroun, on n'entend plus parler d'elle. Elle prend l'avion, Bruxelles Airlines, boum, elle part au Cameroun. Elle arrive là-bas, là. Depuis aujourd'hui, on n'entend plus parler d'elle. On cherche partout, on ne trouve pas. On demande au bonhomme que qu'est-ce qui se passe. Non, le pire, et c'est là où la mère s'est retrouvée ici, c'est qu'apparemment le type, le gars, il est revenu en Belgique. Tu fais venir la fille de Truy. Les gars, c'est plus facile, parfois c'est plus facile le choc avec Pomba, parce que là-bas c'est beaucoup plus simple. Oh, moi je ne sais pas, parce que sur cette histoire-ci, moi je ne sais pas quoi vous dire. À part donner ma parole que vous allez partager, je ne sais pas quoi vous dire. C'est que le gars se retrouve en Belgique et il laisse la fille au Cameroun. Il laisse la fille au Cameroun, ce qui est faux. Il lui a certainement fait quelque chose. Il lui a certainement fait quelque chose. On l'arrête, on lui demande que mais où est l'enfant, la fille de Truy. Il a au moins 1000 versions. Oh, le jour qu'elle est arrivée, il l'a mis dans le taxi et pour qu'elle parte à l'hôtel. Elle n'est plus jamais revenue. C'est quoi cette histoire? Après, non, elle est partie au Congo, elle n'est plus jamais revenue. Mais si tu pars au Congo, on voit même seulement l'avion que tu as pris pour partir au Congo. Que tu as pris pour partir au Congo. Oh non, elle est partie en Belgique. Lui, il est déjà ici en Belgique. Hein. Il est déjà en Belgique. Le gars est déjà rentré en Belgique. Il a laissé la fille. Il est déjà en Belgique. Non, les enfants. Tout ce que on peut dire avec certitude, c'est que ce bonhomme, peut-être qu'il allait se débarrasser de la fille d'autrui. Mais il doit être mis aux arrêts. Il doit être mis aux arrêts. C'est terrible, mais il doit être mis aux arrêts. C'est pas normal. C'est pas normal, frère. Tu dois être arrêté. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, je dis, quand on réfléchit bien, que non. Là, il est parti lui faire le vivre et mourir jeune au Cameroun, quoi.
Les mamans congolaises, je ne sais pas ce que je peux dire de plus à part ce qu'ils viennent de dire là. Je n'ai pas vraiment trop le choix. Je ne sais pas comment on traite ce type de dossier. C'était papa.